Rex. I count six shots. Gussin' out the bando. A nigga jury real metal like a candle. Bleak. I went from rad to riches to a future with tilt. Yo tout le monde, c'est Mister Spécial, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Call of Duty Roman War, qui veut dire Call of Duty Guerre Romaine. Eh bien oui, il y a eu un Call of Duty, enfin un prototype de Call of Duty qui a été proposé par un studio qui aujourd'hui gère le jeu Skylanders. Et en fait, ils avaient proposé ce jeu à Activision et ce dernier leur a vraiment plu. Alors qu'est-ce que ce jeu apportait, vous allez me dire, de spécial, de si spécial? Eh bien, il faut savoir que le jeu vous permettait de jouer plusieurs personnages dans Jules César et d'autres personne telle des soldats ou encore des archers pour que vous puissiez avoir tous les points de vue de la guerre romaine. Alors voilà, c'est ce qu'on sait sur l'histoire. Et en ce qui concerne le gameplay, on avait accès à des armes telles des arcs, des lances, des épées, etc. Et on disposait d'un système assez sympa, et c'était le fait d'envoyer du sable sur les yeux des ennemis, telle une flash ou une grenade paralysante, pour les déstabiliser ou réduire leur champ de vision pendant un court instant pour pouvoir les tuer encore plus facilement. Voilà, comme vous le voyez, c'était un système assez bien travaillé. Et aussi, ils avaient même mis des chevaux et des éléphants qu'on pouvait monter dessus et contrôler, qui servaient comme véhicule à peu près à la World at War, mais en animaux cette fois-ci. Maintenant, vous allez me dire pourquoi ce jeu a-t-il été annulé? Eh bien, tout simplement, il a eu une petite peur d'Activision qui ne savait pas si le jeu allait être bien reçu en tant que Call of Duty, entre guillemets. Il jugeait que ce jeu était intéressant, mais qu'il n'allait pas plaire aux fans de Call of Duty qui avaient l'habitude d'armes à coup de feu. Dites-moi s'ils auraient dû la sortir, à votre avis. Si, dites-moi ce que vous en pensez de l'idée du jeu. Je pense que ça aurait été un bon jeu, mais pas comme un Call of Duty. Ça aurait pas été un bon Call of Duty, mais un bon jeu. Il faut faire la différence. Par exemple, on va prendre Infinite Warfare. Il a l'air d'être un bon jeu, mais pas un bon Call of Duty. C'est ça la différence. Et ben, je vais vous mettre un petit extrait. Il faut savoir que ce n'était juste qu'un prototype. Et pour ça, ils ont utilisé que l'Unreal Engine, qui était un moteur graphique assez ancien. Puisque, comme vous le voyez, il ne rivalise pas avec un Call of Duty 4 ou encore un Call of Duty World at War. Il l'avait juste utilisé pour présenter une version, une idée de ce jeu, de ce qu'il pourrait rendre comme en termes de gameplay. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Il faut savoir que j'ai donné juste un petit résumé de l'histoire de ce jeu. Donc je vais vous mettre le lien en première ligne de description qui vous amènera vers l'article complet si vous voulez savoir toute l'histoire de ce jeu. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je tiens aussi à dire que je vais essayer d'envoyer cette vidéo à Code QG en espérant être upload. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, commenter et partager. Sur ce, je vous laisse, c'était Mister Spécial, et peace tout le monde. It's in the hands of madmen. This is a dark day, and I stand at a fork in the road. Call of Duty Roman Wars was set to